forever. Let's do King Julian style. Salutations les lémures, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 40e épisode sur Red Dead Redemption 2 en compagnie de notre cher ami pirate Arthur Morgan. Je vois que mon œil est un peu patras là. Il faudrait que je me prenne un petit peu de poudre pour le nez, non? Ou il n'y a pas grand chose qui me boosterait. Déjà le tour de mon œil autour, ouais, serait pas mal. Médicament miracle. Vas-y, je vais m'en prendre un. Par contre, au niveau du cœur, maintenant, c'est pas top top. C'était quoi ça? Du saumon en boîte, ouais, je me le garde. Ok, je vais me siffler un coup dès le matin. Donc on devait aller inspecter pour changer de zone. Faire du repérage là, parce qu'il y avait notre cher ami Dutch qui nous avait demandé de le faire. Je crois que d'ailleurs, faut peut-être retourner lui parler pour que ça se lance. Mais je suis peut-être pas forcément inspiré. Moi, ce que je voulais faire, c'est que normalement... Alors déjà mon... Ah ouais, je peux même pas retourner à Valentine vendre mon bestiau, quoi. Hey. Non, c'est la dame à qui je veux répondre. Hey, Abigail. What the hell happened in Valentine with you and John? Des trucs pas top. Attends, je vais te parler. Si tu t'en vas, ça va être un peu... Qui c'est qui me parle encore? Well, that was a mess in Valentine. We didn't even get paid for them sheep. I'm gonna go back there for it. That ain't a good idea. Okay, I'll catch you later then. Yeah. Ok. Evening, Arthur. Ladies. You seem to have everything well in order here. Oh, I wouldn't go that far. Well, looks pretty good to me. All right then, Arthur. Bon, elle est passée où la mère Abigail là? Non, je sais pas, bref. Moi, ce que je voulais faire, c'était les petites missions là. Je sais pas où est-ce que je peux aller voir ça. Progression. Peut-être dans progression. Histoire, encyclopédie, défi. Je suis pas sûr que ce soit dans les défis. Brigand, défi bloqué. Ok, je peux même pas faire ça. Explorateur. Ça se trouve, c'est pour aller choper les eaux ou je sais pas quoi là. Ou les cartes. C'est les cartes au trésor. Trouver un trésor. Bah, ça avait déjà été fait, mais bon, c'est pas grave. Parieur. Ok. Parieur en 1, gagnant moins 5 mois au poker. Gagne au blackjack et doublé 5 fois. Terminer les défis précédents pour déverrouiller. Je sais pas si c'est le lancer de couteau pour le jeu du couteau avec les doigts là. Je suis pas très inspiré. Herboriste. Ramasser et manger 4 espèces de fruits rouges. Ok, j'en suis à la moitié. Il m'en manquerait encore 2. Et puis bah le reste est encore bloqué. Là, c'est pas vraiment ça que je voulais chercher et trouver, du moins. Expert en survie, ok, bloqué. Expert en armement. Qu'est-ce que je dois faire derrière? Tuer 3 ennemis en 10 secondes. Et en utilisant que les couteaux de lancer. Ok. Ok, ok. Bah, et on peut essayer d'aller se castagner et essayer de se faire ça. Hein. Fin tireur. Tuer 3 oiseaux. Ah, la dernière fois j'en avais fait un, ça me l'avait validé et là ça l'a pas fait. J'aimerais bien avoir juste la petite liste. Je sais pas si en appuyant sur F1 ça pourrait m'y amener directement là. Pour avoir la liste des petites tâches que j'ai à faire. Ah, parce que là c'est pas... ça va pas être possible. F1. Je sais pas s'il y a moyen d'accès d'avoir accès à un J. Moi, j'appuie sur J. Mais ça m'a amené dans mon calepin. Ok. Ah, c'est tout ce que j'ai. En fait, c'est. Ouais, je tiens mon journal. Là, il n'a pas fait de petit dessin. Il y a juste une empreinte de doigt. Ah ouais. Le délire.
Disons qu'il y en a des pages. Il y a aussi du gâchis de papier, hein. Ah, j'en ai gribouillé déjà pas mal de trucs. Chapitre. Ok. Je suis directement allé à la dernière page là. Ok. Je m'amuserai à faire la petite traduction. Ah, ça se trouve, c'est quand j'ai amené Jack pêcher là. Ok, par contre, ça me dit pas comment je peux avoir la liste des petits défis que j'ai à faire. C'est un peu compliqué. Je vais essayer de trouver là. Je vais aussi essayer de devoir me débarrasser de ma carcasse. Je sais pas où. Faut que je trouve un boucher parce que là, ça va pas être possible non plus. Ça va être à... Je crois qu'elle est en train de pourrir la viande en plus au-dessus là. C'est juste infâme. Ok, j'ai beau chercher, à part les quelques petits défis dans le coin, je trouve pas. Et vu que je suis sur mon cheval, j'arrive pas non plus à voir la liste où je dois récupérer une pipe pour Dutch, la boussole et compagnie. Donc tant pis. Et je vais essayer d'aller me débarrasser de ma carcasse. Et avant de quitter la zone, on va essayer de se rendre là où on avait eu rendez-vous pour commettre le braque du train. Le braquage du train. Parce que on n'avait pas fouillé la pièce secrète qu'il y avait en dessous. Donc c'est un peu tendu. Je vais devoir repasser par là. Donc je me rends sur place et puis on se retrouve pour fouiller les lieux après. Ok, je sais pas qui c'est. En cherchant la vieille maison, j'ai été poursuivi par des chasseurs de primes et je suis tombé sur le petit vieux. J'ai peut-être rangé ça avant de le tirer dessus. Ok. On va lui donner une petite piécette. Je dois aider 10 personnes. Si ça peut être la septième. Just as evil begat evil your whole life long, so good may beget good. Okay, I will try to bear that in mind. Okay, c'est tout. Are you still here? What are you waiting for? I can't tell you what you want to hear. Ok, monsieur. I'm sure you've got better things to do than follow a lame blind man around. Ça y va, la picole derrière. Ah, y a même pas de bruit. Ils retirent des pièces invisibles qu'ils remettent dedans. Ok. Ok. Howdy. Wait a second. No way! Please, relax. I need to be alone with my thoughts now. Ok. Well, easy for me to pretend you're not here. Nous, on a perdu assez de temps. Je vais me remettre en route. See you later, monsieur. Donc, je vais essayer de trouver notre petite maison abandonnée, là. En espérant pas retomber sur les marshals, ce serait bien. Pourquoi je me suis tapé une pénalité? Ouais, les gens. J'ai pas compris là. C'est quoi le délire? Ah mince. Vas-y, fonce. Me fais pas tomber du cheval là. Ah ouais, je suis arrivé à. Ah ouais, y'a plein de loups là. Ouais, faut que je la calme. Eh, monsieur. Alors, est-ce qu'il se fait attaquer par les loups à ma place? Je sais pas, mais il est bien en train de cavaler.
Et il y a du Marshall qui se pointe aussi. Je sais pas si je pourrais vendre mon bestiau là, mais ça me commence à... ça commence à me gonfler. Je suis allé jusque là, mais c'est dans le secteur, hein, parce que la dernière fois on avait rencontré notre notre historienne dans les parages. Et j'avais emprunté un pont pour aller déposer la calèche. Et normalement ça doit être dans le secteur ici. Mais j'arrive pas à remettre exactement la main dessus. Et je trouve pas mon petit cours d'eau. Donc ouais, je suis dans la panade là. C'est près d'une petite rivière, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Et sur cette map là, je vois pas. Donc je vais retourner en explo et je vais essayer de mettre mon nez et mes sabots là où on en avait besoin. Ok les genoux, j'ai retrouvé mon spot, c'est à Troll Rise, à River Crypt, à Crypt je sais pas quoi là à côté. Donc on va foncer là-bas et puis on va fouiller les sous-sols. J'espère que je vais pas me faire embêter pendant que je ferai ça, parce que sinon ça va être tendu depuis tout à l'heure. J'arrête pas de me faire pourchasser par les marshals. Et je me dis qu'il y a même des missions là dans mon journal. Je devais braquer le cabinet de médecin de Valentine ou d'autres trucs du genre. Vu que c'est un peu tendu là-bas, se trouve, je vais peut-être même pas pouvoir le faire ça. Donc si je mets un pied dans la ville, même masqué, je vais me faire défoncer. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Normalement là ce serait en face. Donc bah, écoute, on va foncer hein. Ok, la maison abandonnée est juste là. J'ai filé un truc à manger à mon cheval. Je peux peut-être lui filer un petit tonifiant là, ce serait peut-être pas mal. Là, ça a le requinqué entièrement, mais bon, je vais peut-être pas lui mettre une dose entière. Vas-y, je vais prendre l'entamer. Allez, bois-moi ça, toi. Ok, enfin. Enfin, on y est. Allez, tombe direct. Voilà, merci bien. Donc, normalement. Ok. Il y avait une histoire de fléchette, là. Ok. La petite flèche, elle est par là. Il y a un truc qui a déplacé au sol. Je suis parti trop vite la dernière fois. Et ce serait genre là dans le coin. Genre limite sous la paillasse là, mais faudrait que ça veuille. Non, c'est pas ça qu'on veut. Ouais, faudrait que ça accepte de se faire déplacer là. Si je peux plus, ouais, je vais être dégoûté. Je vais pas non plus fermer les tiroirs là. Quoique celui-là, je peux peut-être le fermer pour voir s'il y a pas quelque chose en dessous là. Non. Y a pas moyen de prendre un truc. Par contre, toi, si je peux pas déplacer les caisses ou je sais pas quoi, ou les tapis, à moins que je l'ai déjà fait et que je me prends la tête pour rien, mais il me semble que je l'ai zappé cette partie à examiner la cachette secrète, voilà. Ok, ok, il y avait que ça là. Moi je pensais que c'était au sol, qu'il y avait genre une seconde trappe ou... Ok. Ok, je suis venu juste pour prendre 50 petits billets. Vous portez déjà le maximum d'objets autorisés. Je sais même pas... Ah, se trouve c'est peut-être le couteau. Je sais pas si c'est le couteau. Bon bah en tout cas voilà, j'ai récupéré les sous-sous. Là je peux rien prendre. Donc on va gentiment se remettre en route. Et puis, bah écoutez, hein, c'est parti. On va essayer d'aller voir Dutch ou Mikabel ou je sais pas qui, là. Y aurait quoi? Déjà, non loin de chez nous, on a le droit à des chiens policiers et des chasseurs de primes. Ah, ils sont en train de me poursuivre depuis tout à l'heure. C'est juste pas possible. Donc, je crois que Mika, il y est même plus, là, au final. Là, je peux... Il y aurait Dutch. Ah ouais, si. Mikabel.
Mikabel et Dutch sont là, mais par contre, vu que je suis poursuivi, pour le moment, c'est un peu tendu. Et je vais rien pouvoir faire d'autre, quoi. Donc, et ce qui est marrant, c'est quand j'appuie sur J pour journal, ça me ramène dans mon calepin. Je sais pas s'il y aurait moyen d'avoir accès au journal. Faudrait que je retrouve la touche. Par contre, moi, faut pas que je traîne là. Parce que ça va être tendu, tendu. Donc, c'est parti, Cassos Vamos. Ok, il y aurait du people qui tire dans le coin là. Là, je peux peut-être éviter le braquage du train. Range pas mon gun là. Ok. Je sais pas où sont les autres. Ah, celui c'était peut-être pas un méchant. Je sais pas. C'est bizarre. Ah bah écoutez, tant pis, hein. Moi j'ai voulu sauver le train, voilà. Hein. Merci de rien quoi, je sais pas pourquoi lui il était là avec l'autre qui a voulu me tirer dessus. À chaque fois qu'on fait une bonne action, ça nous retombe dessus quoi. Ah, par contre ce qui serait bien c'est que je tombe pas trop là. Non non mais reste juste au bord là. Et fouille-le. Vas-y fouille-le Arthur, retourne-toi de l'autre côté là. Ah t'as du mal hein. Ce qui est marrant, c'est que le train il reste sur place. Moi j'étais parti pour aller voir Mika là, comme ça on était débarrassé et on pouvait enchaîner et aller voir Dutch derrière. Ça c'est un inconnu, mais qu'est-ce qu'il foutait dehors? Vas-y, monte dans le train, Arthur. Il y a d'autres vilains à aller fouiller de l'autre côté là. Ok. Ah ouais, ça se trouve, ils sont déjà tous morts dedans, c'est ça, ou... Ça se passe comment, là? Ah ouais, il s'est fait dessouder. Ah ouais... Ah ouais, ils sont tous fait tuer quoi. Enfin, moi je veux pas les prendre. Moi, je voulais surtout fouiller. Est-ce que je peux conduire le train? Je vais conduire le train sinon. Et je vais quand même voir si. Ah ouais non là on peut. Je peux pas hein. Ouais, il se trouve ils sont déjà tous fait dépouiller. Et je vais éviter de trop traîner dans le coin. Mais par contre, je vais essayer de conduire le train, ouais. Allez, c'est parti. Vas-y, hein, conduire, ouais. Allez, c'est parti. Vas-y, hein. Ouais, mage. Allez, accélère. Je viens pas d'écraser mon cheval quand même. Non. Ouf.
Ah ouais, Tiffany, fais gaffe, hein. Ah nickel, moi bon, j'ai pris quelques petites photos là. Ah ouais, je vais accélérer moi. Par contre, toi Tiffany, évite de passer sous le train. Hein. Faut que j'arrive à prendre de la distance. Là, j'ai peut-être freiné hein. On va avancer tout doucement. On entre en gare. Ah. Ah, ils veulent me mettre la misère. Bon, on est reparti alors. Hein. On est reparti, ils veulent pas de nous. On s'en va. Je sais pas si je pourrais aller fouiller le wagon du fond. Et le seul problème, c'est que je suis obligé d'être aux commandes. Ah, je viens de décraser un oiseau. Donc on va vite partir de là. Et n'empêche, je pourrais aller chercher tous ceux Dutch et tout au campement. Hein. Si tu pouvais te speeder le train, ce serait pas mal. Et puis je suis obligé de rester appuyé là. Je sais pas où je vais comme ça, mais si je peux aller voir Mika, c'est pas plus mal. Donc, je vais continuer ma petite promenade, là ça a l'air d'être tranquille, puis on se retrouve quand on arrive à destination. Si bien c'est qu'il s'est arrêté, on a prévenu qu'on passait. Ok, je vais en profiter que je sois sur le pont pour aller fouiller à l'arrière. On va passer par au-dessus. Là, au moins, je pourrais pas me faire attaquer. Ah ouais, saute, Arthur. Allez, c'est parti, saute. Ah, parfait. Ah, par contre, là, tu peux descendre. Hop là. Nickel. Je sais pas s'il y aurait des trucs à prendre. On va profiter et après on va repartir. Je crois qu'on est pas loin de chez Mika. Donc là forcément il n'y a rien. Je crois que je vais être venu ici pour rien du tout quoi au final. Non, je peux pas fouiller d'autres meubles. Là ils sont sérieux ou quoi? Genre ça fait juste la cuisine et le bureau je peux le fouiller. Attendez. Ouais, fouiller les tiroirs du bureau. Ok, encore. Ouais, non, ils sont sérieux, y a rien, quoi. Non, c'est abusé, hein. Enfin, j'ai peut-être pas m'embêter à les fermer, ça va pas servir à grand-chose.
Par contre, ouais, fermer ici, histoire qu'on puisse circuler, ce serait pas mal. Et là, il n'y a plus rien du tout, quoi. Ah ouais, c'est abusé, quoi. C'est abusé de chez abusé. Ah, peut-être là. Je pensais que ce serait une, un wagon passager, mais en fait, pas du tout. Ok, je sais pas ce que c'est que les traînées rouges, là, mais... Elles sont bien présentes. Et là, j'ai vidé tout mon œil. Super. Mais bon, encore une fois, il n'y a rien à prendre, quoi. C'est un peu... Ouais, c'est un peu triste et abusé, quoi. Ah ouais, sérieux, quoi. C'est pas cool. Bah, moi, je vais retourner à conduire mon train. Et quoi, c'était juste m'asseoir ou... Ouais, j'ai pas envie de m'asseoir, les gens. Bon, a priori, ils s'en sont mieux sortis que nous, hein, pour piller le train, là, mais bon. Ouais, nous, on va reprendre la... La voie ferrée, hein. Bon, là, il n'y a personne à embarquer, donc on va pouvoir continuer. Soit je vais pouvoir aller voir Mika comme ça, on va aller voir. On va aller voir. Ouais, ben on s'approche de Mika, nickel. Donc c'est nickel. Bon, ce truc qui est embêtant, c'est que j'ai pas de... J'ai pas mon cheval. Et on dirait que j'ai un oiseau mort dans le charbon. À moins qu'il fasse dodo. Est-ce qu'ils vont me faire tourner là? Non. J'aurais préféré prendre l'autre côté. Ah, je me demande si je suis pas en train de m'éloigner là. Ouais, faut que je me stoppe ici. Et puis on va descendre, hein. Je vais arrêter mon train ici. Et puis je vais faire le reste à pied. Voilà. J'espère que ça va pas provoquer d'accident. Le fait qu'il soit posé en plein milieu. Ah, je suis pas sûr de pouvoir appeler mon cheval. Ouais, mon cheval est trop loin. Il va falloir que j'en emprunte un quelque part. Bon, je me mets en route et puis bon, on se retrouve sur place une fois qu'on a rejoint Mika. Ok, les murs. Alors, on en approche et oui, je suis avec mon cheval. J'ai dû faire une petite pause entre-temps. Et vu que je me suis reconnecté, ben, je suis revenu avec mon cheval, ce qui n'est pas plus mal. Donc, Mika Bell nous attendrait dans le coin. On va monter au-dessus. Je sais pas où est-ce qu'il est caché. Arrête-toi. Ah ouais, fais marche arrière et demi-tour surtout. Je sais pas où il serait planqué. À la rigueur, je préfère descendre. Ah, j'aurais pu aussi attacher mon cheval, mais bon. Je vais enlever la carcasse là. Parce qu'il commence à avoir une couleur. Je sais pas s'il y a... Je sais pas s'il est crevé ou non. Prendre Merino, je sais pas, il me donne pas d'infos là-dessus. Ok, je le recharge. Et on va voir notre cher ami. Enfin, cher ami. C'est loin d'être le cas, mais je sais pas où il est planqué d'ailleurs. Ah, peut-être là, par là.
Il devait peut-être se faire oublier après qu'on l'ait libéré de sa cage là et Moi, je suis un peu deg de revenir le voir. Hey Arthur, good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Come on. I know an overlook where we can watch for them coming in. Ok, je le sens pas du tout son braquage, mais alors pas du tout. Ça sent le piège ou je sais pas quoi. What are you doing anyway, camping out here like some crazy hermit? Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an O'Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, O'Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here, anyway? Oh, you know how it is? Few loose ends? Drink here, drink there? What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry. Making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Ouais. Bah ton histoire, je la sens toujours pas, quoi. Je sais pas où est-ce qu'il nous emmène en plus là, mais je vais lui mettre un coup de pied là. Y'a pas moyen de mettre un coup de pied sur le côté, s'il te plaît là. All right, this is the spot. Hold up on this ridge. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Look, there they are. Right on time. Get covered up. Come on! Ride! Here! Ah ouais, vous partez sans moi là. Yep. R. Ah, vous êtes sérieux les jeunes? Je sais pas ce qu'ils m'ont demandé en plus là, mais Ah non, justement, ouais, sors-le.
sais pas si je dois tuer lui. Ok les jeunes. Vas-y, un. Ma grosse, allez Tiffany, avance, ya ya ya. Faut qu'on rattrape tout ça, on va couper par ici. Ah ouais, arrête de bouger, man. J'ai failli t'avoir. Non, genre, c'est quoi le délire? Genre, j'ai pas été assez rapide. Ouais, je me loupe pas. Je vais passer au point de passage. Ah, vas-y, il aurait pu lui mettre une balle dans la tête. L'autre, j'ai plus d'énergie dans mon petit œil. Allez, fonce, ça le fonce là. Va falloir que je gère mon énergie là. J'aurais peut-être dû picoler un coup avant. Ah, ce qui serait bien, c'est que tu me files ça. Ok, fouillé. No need to keep your face covered now. It's just you and me, sweetheart. Vas-y, faut que je monte, c'est ça? Je veux bien fouiller des corps d'abord. Ah ouais, je monte, mais tu vas attendre gentiment. Parce que j'ai un peu fait tout le boulot, donc t'es bien gentil. J'arrive. Vas-y le cheval là, monte. Allez, monte sur le cheval Arthur là, vite, vite, vite. Il veut pas que je monte sur le cheval ou quoi les jeunes? Ah ouais, ils sont relous. Et je suppose que je peux pas non plus fouiller les sacoches. Ouais, je vais aller voir l'autre, tant pis pour le canasson. Au pire, je vais... non, là-bas, c'est mon cheval, ça sert à rien. Donc nous, on va monter là, hein. Allez, vas-y, avance. Il veut absolument que j'aille devant ou quoi?
c'est toi qui pilote maintenant. You don't mean. Ah ouais, man, tu nous emmènes où là maintenant? Ce marrant, c'est que j'ai plus mon fusil, moi. Ok, merci, chef. Ah, vas-y, recharge, hein. Ah, faudra faire usage de dynamite là. Listen, I know we got off on the wrong foot, but I got no beef with you. I reckon we're a lot alike, you and me. Now, hold up there. Dutch knows I'm a feller that gets things done, same as you. Gets things done? You'd be wearing a California collar now if I hadn't broken you out of jail. And I have expressed my gratitude, have I not? It's done. Main thing now is getting this haul back in one piece. Ouais, avec tous ceux qui y a devant là. Non, t'es sérieux Manon? What the hell? Come on, Arthur, get out of there! Come back! Ah, ça va yèche, hein. Allez les gars, c'est cadeau. On va recharger vite fait. Ah, ils sont beaucoup quand même, hein. Vas-y, reste là, toi. Ah, merci bien les gens. On va peut-être se décaler par là, je crois qu'il y en a un qui se planque ici. Non, toi tu bouges pas. Vas-y, il y a du corps à fouiller là. Je sais pas ce qu'on a chouré, mais à mon avis, ça devait avoir de la valeur. Hein. You've got a point. It clearly ain't going nowhere now. You know, we should really pick up a lock breaker one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Ok, rejoignez Mika à la diligence, je veux bien, mais je sais pas comment on va faire pour avancer. Soit on va faire péter maintenant. Ouais, j'arrive maintenant, mais t'es gentil. Ouais, j'arrive, chef. Je finirai de fouiller après s'il faut. Il me semblait les avoir déjà fouillés, eux. Ouais, je suis en train de fouiller du people, là. T'es gentil. Tu veux quoi, toi, là? Ok, faut que je fasse quoi? Tirer sur la serrure. Ah, déjà, il faudrait que je prenne un gun. Ok, chef. That's
Come on, let's see if all this was worth it. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. C'est tout? What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Non, j'aurais peut-être dû me casser avant qu'on rentre par de la bande, ok, machin. Ok, F1, témoin, meurtre. Il est où ton témoin, là? Ah ouais, t'es sérieux, Manon? Je sais pas s'il y a moyen de la faire péter. Bon, en tout cas, moi, je vais retourner fouiller mes petits corps. On va crime signaler. Ils sont sérieux, quoi. Je vois pas à qui l'a signalé. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis, on se retrouvera au campement avant que... Non, c'est quoi? C'est la fin, crime signalé. Ouais, je suis au courant, mais là, je veux finir de fouiller. Ouais, malheureusement, j'ai prévenu Mika. Je serais bien parti avant qu'il arrive au camp, mais ça risque d'être un peu mort. Donc, bah, écoutez, hein, pas le choix, pas le choix. J'espère que quand on va déménager, il va pas nous suivre. Mais bon, tant pis, on verra bien. Si vous ne voulez pas louper la suite, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. On est maintenant 380 sur la chaîne, donc merci à ceux qui sont présents depuis le début et ceux qui nous ont rejoints récemment. Moi, je vais me dépêcher de partir parce qu'il y a du Marshall qui va se pointer. Donc, ce qui serait peut-être pas mal, c'est que j'appelle aussi mon dada. Ah oui, ils sont là. Faut que je me casse. Allez, c'est parti. Ah, mon cheval est de l'autre côté, il est jeune. Ah ouais. Ah, c'est chaud les jeunes. Allez, c'est là-dessus qu'on se laisse. Faut que j'arrive à retraverser. Allez, allez mon cheval. Allez, ciao tout le monde. C'est bon, on leur a échappé. Allez, sur ce, moi, je vais essayer d'y aller aussi, sans me faire repérer et sans les ramener à notre campement. Je vous laisse là, surveillez bien et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Excellent! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau !